Alors, donc l'antenne GIGN de Nantes a été créée en 2016. Elle est composée aujourd'hui de 35 militaires. On va avoir plusieurs types de missions. La police administrative d'abord, donc on va avoir des missions de forcenés, de retranchés, parfois des rétentions familiales. On va avoir les différents plans gouvernementaux, à savoir du Piratox, Pirate Mer, Pirate Air, ainsi que des missions où on va être en mesure d'intervenir sur les prises d'otages multiples. Ensuite, on va avoir un deuxième volet, le volet plutôt police judiciaire. Donc on va être amené à appuyer les forces, les unités de recherche, gendarmerie, donc sur des domiciliaires par exemple, des milieux ouverts ou des interventions sur véhicules lorsque cela le nécessite. Donc nous on travaille par alerte par semaine, on va prévoir un entraînement toute la semaine qui va être, on va s'entraîner sur tout le panel de missions que vous avez pu voir. On doit absolument s'entraîner à toutes ces missions, toutes ces compétences et spécificités de l'unité. On va avoir différentes missions pendant les JO. Dans un premier lieu, nous serons sur la mission du relais de la flamme. Donc on sera en accompagnement de la flamme tout au long de son trajet sur la métropole. Et ensuite, nous serons en protection des stades, notamment sur Nantes, au stade de la Beaujoire.